Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour les énergies, pour l'énergie du jour, le message de ce mardi 30 avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, avant de commencer, la petite philosophie du matin. Vigilance. En toutes circonstances, s'efforcer de rester vigilant. Quand la conscience ne veille pas, on s'expose aux dangers et aux erreurs. Voilà le message que je devais vous faire passer aujourd'hui. Alors, eh bien aujourd'hui, j'ai pigé encore à l'envers « Porte vers l'amour ». Et là, on voit un petit cœur hein, qui est dans une cage. Et comme c'est à l'envers, eh bien, vous avez peut-être mis votre petit cœur dans une cage et vous avez fermé à double cadenas. Alors, il serait peut-être temps d'ouvrir la cage à votre petit cœur, comme la chanson de Pierre Perret, « Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux ». Alors, à l'envers, eh bien, cette carte, elle indique qu'il y a un retard ou une déception en amour. Encore une fois, ça parlera à certains et ça ne parlera pas à d'autres. Par contre, dans une relation actuelle, eh bien, cette carte pourrait aussi signifier une distance que vous avez avec votre partenaire ou alors une séparation. Pour certaines personnes, la porte vers l'amour semble avoir été fermée depuis un long moment et c'est comme ça que vous avez mis votre petit cœur dans cette cage. Mais vous savez, l'univers énergétique est toujours, toujours en constant mouvement. Eh bien, sachant cela, vous pouvez apporter des changements dans votre vie quotidienne qui permettront peut-être de faire entrer plus d'amour dans votre vie, peut-être vous faire confiance, peut-être faire confiance, soit à le sexe masculin ou le sexe féminin. Tout ce que vous avez vécu, toutes les personnes, enfin avec les personnes que vous avez vécu en sentiment amoureux, si c'était négatif, mais dites-vous que tout le monde n'est pas comme cette personne-là. Souvenez-vous de vous accorder, eh bien, la priorité et de prioriser votre propre bonheur. Alors, encouragez-vous. Et reconnaissez toujours combien vous êtes précieux et méritez de recevoir, eh bien, votre propre amour et celui des autres. Parce qu'il faut vous aimer. Si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous qu'on vous aime? Comment voulez-vous aimer? De tels choix, n'est-ce pas, dans votre attitude et dans la façon dont vous vous traitez, eh bien, vont changer la vieille énergie de rejet de vous-même, ainsi et bien que votre conscience profonde et tout ce que vous attirez. Alors, s'il vous plaît, dites à l'univers vraiment que vous êtes prêt, prête à connaître l'amour véritable parce que vous acceptez enfin de vous le donner à vous-même. Et si maintenant, c'était en stand-by parce que vous n'aviez pas fait le deuil de votre précédente union, eh bien, peut-être que présentement, c'est fait. Alors, dites à l'univers que vous êtes prêt. Demandez à l'univers qui mette, eh bien, sur votre chemin
la bonne personne. Cette personne que vous allez cheminer pendant un long temps. Voilà, vous allez faire une longue route ensemble. Tout est possible. Sortez ce petit cœur de sa cage, s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'affirmation est « En apprenant à m'aimer, j'attire de plus en plus de tendresse vers moi-même. » Voilà l'affirmation que vous allez vous dire aujourd'hui et que vous allez mettre en action. Vous aimez, regardez-vous dans un miroir et dites que la personne que vous voyez, vous l'aimez, c'est vous et votre petite fille intérieure. Vous vous aimez. Faites cet exercice. Très beau message. Je termine avec le message de ton âme. Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela, eh bien, s'infuser en toi. Très beau message de ton âme. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message, pour de nouvelles énergies avec ce bel oracle de l'énergie. D'ici là, eh bien, portez-vous bien et moi je vous embrasse et je vous dis à demain.